je suis opposé au mélange entre les paroles et la musique. Et en ce sens-là, je suis opposé au programme d'un Wagner, par exemple. Et évidemment, à tout ce qui est de l'ordre de la variété, où il y a des chansons qui sont agrémentées d'un peu de musique. Et ce, parce que c'est un mélange des genres, autrement ce qu'on peut croire, ça ne fait pas un ensemble cohérent, c'est au contraire quelque chose de totalement artificiel, cette rencontre entre la musique et la parole. Et ce qui me gêne le plus, c'est que des personnes qui n'ont aucune sensibilité musicale, qui ne captent pas, qui ne vibrent pas à la musique, vont vibrer aux paroles et au contenu de ces paroles, de ces mots, et par conséquent, elles vont avoir l'illusion qu'elles sont sensibles à l'ensemble, qu'en réalité, la seule chose qu'elles saisissent, c'est la musique, c'est la parole. Et j'apprécie pas beaucoup ce genre de situation, de la même façon que lorsque il y a des gens qui lisent des textes et ils s'intéresseront à la forme du texte et non pas au fond. C'est un peu la même chose. On va privilégier des éléments secondaires du propos. Et on va croire qu'on est concerné, qu'on est touché par le propos dans son ensemble, alors qu'en réalité, on ne réagit qu'à des éléments superficiels de cet ensemble. Et ça, je trouve ça très fâcheux. Donc, que l'on puisse siffler, que l'on puisse faire des bruits avec la bouche, avec la gorge, ça a tout à fait justifié, en même temps que l'on... C'est déjà de la musique en soi, en même temps que l'on peut faire de la percussion, en même temps que l'on peut créer un rythme en frappant sur un objet, y compris le piano, que pour moi j'utilise plus comme un outil de percussion que comme un instrument de musique au sens classique du terme. Certains d'ailleurs me le reprocheront en disant, mais vous ne jouez pas correctement du piano, enfin bon, des choses comme ça. Mais effectivement, la musique, c'est cela, c'est quelque chose de brut. Et le fait de greffer par-dessus autre chose crée de la confusion et fait que certaines personnes donnent leur avis sur quelque chose qu'elles ne comprennent pas. Parce qu'elles vont parler des paroles ou de la présentation, ce qui est tout à fait secondaire. Donc, je voudrais revenir sur un autre aspect qui est amusant, qui n'a pas grand-chose à voir. C'est la notion de technicité associée à la notion de progrès. Mais j'en parlerai dans une autre vidéo.